Quarry m'a donné envie de retourner sur ce jeu fabuleux et on va essayer de le faire avec zéro mort, évidemment, mais j'ai la même logique qu'il y a 7 ans, comme je disais avec le chat. D'ailleurs, vous êtes très nombreux, n'hésitez pas à venir sur Twitch, une erreur réseau est survenue, voilà. N'hésitez pas, évidemment, à venir sur Twitch, ça fait extrêmement plaisir, je vous accueille du dimanche compris au jeudi à partir de 19h et de temps en temps, un vendredi sur deux, il y a des petits openings très sympas de cartes Pokémon. On adore les Pokémon. 7 ans déjà. Et oui, c'était il y a 7 ans. Allez, let's go, nouvelle histoire. C'est parti. L'effet papillon. The Butterfly Effect. Le battement d'aile d'un minuscule papillon aujourd'hui peut créer un ouragan de problèmes à l'avenir. J'ai modifié un peu la fin de la phrase. La plus petite décision peut changer le futur de façon radicale. À savoir que c'est eux qui ont lancé les Dark Pictures, Z-Quarry. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Oh, c'était tellement plus stylé. Mais je veux du Until Dawn tous les jours. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Choisissez scrupuleusement vos actions. C'était tellement... Ça fait rêver, ça, cette présentation. Allez, let's go. Il n'y avait pas de bande noire sur Until Dawn ? Mais non, mais attends, mais c'est le meilleur jeu du monde ! Attendez, il faut activer, vous le savez qu'on le fait à chaque fois. On ne peut pas. Ce menu n'est disponible que pendant... Ok, on ne peut pas. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement... Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur ma... Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna ! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike. Le jeu, les gars, il est plus fluide que Z-Quarry, hein, je suis mort. C'est Anna. Salut, Anna. Et au moins, il n'y a pas les bandes noires. Mais what? Mais j'étais persuadé qu'il y avait les bandes noires aussi. Hé, hey, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh? Ok, bon, je peux jouer. Mais attendez. On est vraiment en train d'assister... On est vraiment en train d'assister à un jeu qui a 7 ans, qui est mieux que leur suite. Mais attendez, il y avait des bandes noires avant, non? Allez! On est parti. Ok. Maintenez R2 pour prendre la lettre. Didacticiel. Anna... T'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2h. Ah oui. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Bon. Faut qu'on intervienne. Ok. Et le jeu, il est en 60 FPS. Je suis choqué, hein, les gars. Vraiment, hein. C'est trop bien de revenir dessus, hein. Lui, il est mort bourré. Le jeu, vraiment...
Ok, là il y a la porte. Comme d'hab, on fouille tout. Ok. D'accord. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Vous voulez que j'augmente le son du jeu? J'ai vu ton mot. Je peux mettre à 70, faut pas abuser. Oh, les bâtards, je crois qu'ils vont la bully, là. Alors qu'elle est adorable, cette bichette. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, sploter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh, putain. Elle enlève son haut. Quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Na... Anna. Désolée, Anna. C'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Oh. Merde. Vous êtes... tous trop cons, vous le savez. Anna! Ok. Je me souviens pas de ça, par contre. Genre, Josh. Même les choix en détection de mouvement. Josh. Ma sœur. Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna. Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons. Anna. Anna. Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh, merde. Ok, ça commence. Ah, là, il y a autre chose qu'un putain de joystick gauche, bordel de merde. Bon, respire comme un fauve. Les doublages français, c'est assez terrible. Est-ce que vous voulez qu'on mette en VO ou pas? Un petit sondage, au pire, dans le chat. Ouais, mais les gens, ils ont beaucoup la flemme aussi. Suivre les pas, wesh. Attends. Bah non, il y a quelqu'un dehors. Anna. Mais je crois que j'avais pas fait le détecteur de mouvement, hein, pour les interactions, les potes, hein. C'est ouf à quel point Until Dawn enterre Ziquari en termes de gameplay en un didacticiel, quoi. Putain. Excusez-moi. Ah! Fils de pute! Excusez-moi. Bah, et aussi, on a un streamer. T'es là? Je sais plus c'est quoi pour les prédictions. Ah, c'est ça peut-être, non? C'est les totems, ben oui. Ok, donc je m'éclate la gueule. Totem de mort. Les tribus indigènes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque totem prédit un avenir. Je m'éclate la gueule, si j'ai bien compris.
Ah, et si on a tous les totems, ça forme un film, mais ça on l'avait même pas vu dans le jeu à la base. Ok. Mais ça je crois qu'on l'avait même pas vu dans le jeu de base, hein. MDR. Ok. Ah putain de merde, je m'en souviens de ça. Bizarrement, c'est bizarre cette flamme, je m'en souviens. Anna. Anna. Oui. Anna. Oh mon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Anna, baisse. Ok. C'est une fin logique, les gars. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est scripted. Donc les deux sont mortes. C'est une fin obligatoire, les gars. Je vous le dis. Bon, par contre, je suis un bâtard, c'est que je l'ai laissé tomber. Avant de commencer... Ah, mais il y avait... Oh, des barres. Il y avait aussi un... Avec vous. Une personne... Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Il y avait aussi une interlude. Le mais non, mais les gars, mais moi j'ai oublié, c'était il y a 7 ans. Côté. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Ok. Ouais. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Bah, du malaise, frère. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise? Je vois. Est-ce que ça change ? Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps ?
Disons, une semaine, par exemple? Non. Non, je me ferais chier. Puis c'est un établi, enfin... une étable. Ah bon? Pourquoi pas? Oh, de la quiétude solitaire à l'isolement vécu comme une souffrance, il n'y a qu'un pas. Peut-être y reviendrons-nous ultérieurement. Parce que la session se termine. Pour l'instant. En attendant de nous revoir, j'aimerais que vous essayiez de vous entourer d'amis, d'aller dans un endroit où vous vous sentirez en sécurité. Je pense qu'on va enlever la détection de mouvement, c'est nul, hein. Je trouve pas ça ouf, hein. Le son est moins bien. Je le trouve aussi un peu bizarre, mais... Il était pas comme ça déjà à l'époque, mais je pense que c'est le fait de... Je sais pas, d'être sur PS5. Bon, le jeu, rien que dans le didacticiel, a mis un manchon à Ziquari, hein. Merci mon Fartoum pour le 35e mois, Musmus pour le 25e mois, Goto 12e mois, Imslate 13e mois, Monsieur Smith 9e mois, Scranner 49e mois, Worldao 43e mois, Cassange 5e mois, Noja 48e mois et Lowy 7e mois. Merci à vous. Until Dawn. Les gars, dites-vous que c'est la base de toutes les séries de jeux qu'on a eues récemment. Anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas été jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais. Ah! Ok. Rami Malek. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc,
Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires, ok? C'est parti. Jusqu'à l'aube. Non mais attendez, mais il y avait vraiment pas de bande noire. Oh, ça sert le point direct. Sam, meilleure amie d'Anna. Bienveillante, audacieuse et appliquée. C'est ma chouchoute. Eh oh. Y a quelqu'un? Ok. En vrai, on va désactiver lecture de mouvement parce que c'est nul. Voilà. si quelqu'un a un problème, on va faire sans. Vraiment, je trouve ça un peu flingué, frère. Et j'ai pas souvenir l'avoir fait avec la détection de mouvement. Alors. Ouais, c'est beaucoup mieux sans. Un grand portail. Un grand portail implique de grandes responsabilités. Oh mais putain. Alors. Le portail est cassé, grimpe par-dessus. Ah ouais, d'accord. À Vancouver, blablabla, de Chris. Salut, tu peux me rappeler comment on va? Ok. Faut vraiment que je grimpe par-dessus? Moi, je me connais, les gars. Je grimpe, je suis mort. Hein. Jamais de la vie, je grimpe un mur comme as. Hein. Ah, prudent, prudent, bibiche. Oh là là, des vrais QTE, des vrais QTE. Merci. Non mais je vais pas, les gars, c'est pas pour détruire Zikwari pour rien. C'est juste que je suis désolé, le jeu met une manchette à Zikwari. Je ne sais pas pourquoi ils se sont pas plus appliqués que ça pour Zikwari, pour nous faire un truc à la hauteur de Until Dawn, vraiment. Oh, salut petit gars. Maintenez la manette le plus immobile possible, ok. Là je bouge pas. Ah, c'est ça, et j'ai failli perdre un personnage sur ça il y a 7 ans. Les gars, c'est trop trop dur. Les gars, vous bougez un millimètre la manette, vous êtes mort. Ok. Par contre, ils ont toujours gardé les mêmes touches en 7 ans, ça c'est cool aussi. La population indigène et les prophéties des papillons.
Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. En noir, c'était une mort, donc les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Rouge, les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. D'accord. Les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Et les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. Même ça, c'était mieux, putain. Alors que l'autre, avec sa boule de cristal de mort, là. Yes! J'ai déjà oublié, ça servait à quoi, le jaune? Vous découvrirez des totems au cours de vos explorations. Ramasser un totem et le retourner révélera un papillon coloré et la prémonition. Un conseil? Qu'est-ce qu'on vient de voir, là? Oiseau de mauvaise augure. Ok. Et donc, il s'est levé. Très bien. Nous gardons ce conseil dans un coin de la tête. Un conseil. Levez-vous quand vous voyez un oiseau. Un des choix. Ok. Ok. Toujours ce même oiseau. Bah on verra quand on le recroisera. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée. Chris, okay, est-ce que t'es là? Je peux aller là. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait prendre un putain de téléski, télésiège. T'es pas dans le sac quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Vas-y, hein, on va faire la fouine. Ah, mais qui voilà? Ok. Donc on a modifié la trame du jeu. Fils de pute! Ça va, Chris? Ça fait longtemps. Hey, it's me, it's Chris! Il a le béguin pour Ashley. Tu m'as fait peur. Attends voir, t'es pas mon assistante? Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu, je vais m'en occuper.